Partagez, s'il vous plaît. On va se prendre encore quelques minutes. C'est dur le boulot, hein. Dur le boulot. On a fait comment? On a été appelé pour ça, choisi, appelé pour ça. On a fait comment? Alors, mettez les cœurs. Moi, mon habitude à moi, quand je commence mes directs, c'est de donner l'exemple et de partager moi-même. Alors, j'ai plusieurs téléphones devant moi qui correspondent à plusieurs comptes. Donc, je prends le soin de partager sur mes pages avant de commencer le direct. Je pouvais attendre après le direct, mais puisque moi, je vous demande de partager, moi aussi, je partage. Je partage de sorte que des personnes puissent savoir que nous sommes en direct. Donc, Dieu merci, j'ai pas 10 000 comptes. Donc, ça va vite. Je fais vite et puis on commence. Que Dieu vous bénisse. Encore bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui aiment leur prochain. Bonsoir à tous les enfants de Dieu. Bonsoir à ceux qui considèrent leur prochain et qui font du bien autour d'eux. L'amour est le plus grand commandement. L'amour est le plus grand commandement dans la Bible. L'amour est le plus grand commandement. La Bible déclare que si tu fais tout ce que tu veux, tu donnes même tout ton argent, tu es, comment on va dire ça? Tu fais tout ce que tu fais, comme certaines personnes même, tu viens danser avec l'argent en public, tu fais tout ce que tu veux et que tu n'as pas l'amour. La Bible déclare que tu es un airain qui retentit, tu es un tombeau vide. La Bible déclare que tu es un tombeau vide. Voilà. Si, la Bible dit que si tu n'as pas l'amour, tout ce que tu fais est en vain. Voilà, tout ce que tu fais est en vain. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas là pour prêcher. Je suis devant vous, chers frères et sœurs. Parce que tout à l'heure dans mon direct, il y a eu un message, il y a eu un message, il y a un frère qui a appelé et qui m'a parlé d'une ONG qui a été braquée aujourd'hui à Abidjan. Quand on parle de ONG, j'ai là l'image, j'ai là l'image. Regardez, j'espère que vous voyez, c'est marqué. Soutien aux enfants. Soutien aux enfants orphelins, veuves, enfants vulnérables et démunis. Voilà ça. Alors, vous voyez? Et cette ONG-là, il y a leur numéro de téléphone. Maintenant, la vidéo qu'on m'a envoyée, je vais voir cette vidéo avec vous. On va la regarder ensemble. C'est ce je suis Madame Ba, je suis la fondatrice de ce centre-là qui a vu le jour depuis 2005. Et nous sommes ici dans ces locaux depuis 2010.
Voilà, depuis 2010. Et ben voilà, cette organisation s'occupe des veuves, des orphelins, des démunis et des enfants dits vulnérables. Au sein de cette organisation existe un orphelinat qui abrite une soixantaine d'enfants à peu près comme ça. Et voici que ce matin, on découvre ce qui s'est passé. Ils ont cambriolé ici. Ils ont pris la télévision, une grande télévision. Moi, je ne connais pas les bus là, c'est quoi un pouce? C'est comme ça. Ils ont pris la télévision. Ils ont pris les appareils, les jouets des enfants. Ils ont tout pris. Le peu de riz qu'on a ici, ils ont pris. Ils ont fouillé tout le peu de jetons, peu d'argent que j'ai ici, en cas de cas, pour les enfants, au cas où un enfant est malade. Ils ont tout pris. Ils nous ont tout pris. J'ai dit, matin, là, c'était finirait ici. C'est quand on a fini de pleurer, je me suis rappelé, ah, on peut faire une vidéo. Qu'on a fait cette vidéo qu'on vous a balancée. Moi, c'est une personne, moi, ils sont beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que là, au final, vous avez vu. Mais j'ai dit, parfois, les enfants, là, les ont maudits matin. Il y en a qui les enfants, ça fait mal, les enfants, ça nous affecte. C'est une foutaise, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont morts de nous. Là, toutes les distractions, là, jouer. Parce que les tablettes, là, c'est quand même solide. Ça dure. On a crié, on a demandé de l'aide depuis des personnes de bon boulot. Parce que les enfants ont insisté, disant qu'ils veulent des tablettes. Moi, ça m'énerve parce qu'on dit c'est cher. On a fini de vous nourrir, on va partir payer tablettes. Ici, on paye là presque 200 000 par mois. On a des arriérés de loyer. Vous devez aller à l'école. Et puis, il y a pas de maladies par-ci. Il y a courant, il y a gaz à payer. C'est comme on appelle notre courant là, c'est prépayé. On est là tout de suite. Il n'y a pas courant infini. Maman, courant infini. Pendant qu'ils sont en train de dire, maman, pour l'infini, on vient te dire gaz est fini. Bon, voilà. On te dit gaz est fini. C'est la grande bouteille que nous utilisons. Mais elle est chère. Si elle tombe à un moment, elle finit à un moment où je n'ai pas d'argent, c'est difficile. Hein? Tu comprends? J'ai réfléchi. Il y a un rapport pour 2200. Là, ça va pour 2200, là, on fait. On prépare. Et ça, la mamie comme ça, là, de 25 kilos. Dès que ça chauffe, un gars signale, ça vient de finir. Quelquefois, les femmes qui préparent, elles leur vie. C'est comme si c'est elle qui. Bon, bref. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est difficile. Bon, chers frères et sœurs, je ne vais pas repasser deux fois, trois fois la vidéo. Voilà, la vidéo est finie. Je ne vais pas la repasser deux fois, trois fois. Mais moi, j'ai le cœur brisé. Ouais. Voilà. J'ai le cœur brisé. J'ai mal. J'ai le cœur brisé. Ça me fait mal et j'ai mal. J'ai le cœur brisé. Je ne sais même pas par quoi je vais commencer, qu'est-ce que je vais dire. Je suis quelqu'un que vous voyez comme un lion, mais je suis très sensible. Très sensible à certaines choses. Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir à côté de moi. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas, même dans ma propre vie, avant d'être chrétien, je fais des bagarres pour des gens que je ne connaissais pas. Je marche dans la rue comme ça, je vois qu'on est en train de frapper quelqu'un pour rien, je m'en vais prendre sa défense. J'ai toujours vécu comme ça. Même quand je ne connaissais pas le Seigneur, mon cœur a toujours été pour les autres. Peut-être que c'est pour ça que je ne suis pas milliardaire sur cette terre, parce que la bénédiction Dieu m'a donné, l'argent Dieu m'a donné, Dieu m'a donné beaucoup de choses, j'ai connu beaucoup de choses, mais peut-être que c'est à force de donner, à force de toujours tendre la main, à force d'être toujours là pour les autres, que je ne suis pas hyper milliardaire, mais j'aime ma vie, j'ai une conscience tranquille, j'ai une belle famille, j'ai un ministère, j'ai tout ce qu'il faut. Et je bénis Dieu de prendre soin de moi. Frères et sœurs, je ne peux pas passer comme ça. Je ne peux pas entendre des nouvelles comme ça et puis avoir l'appétit. Chez moi ici, il est 23h50 en France. Je n'ai même pas encore mangé avant le direct. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. J'ai aidé la maman à faire à manger. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, je les ai laissés déguster tout ça. Je suis venu faire le direct. Donc, c'est maintenant même que quand je vais finir le direct là, même s'il est minuit 1h du matin,
que je vais aller mettre quelque chose dans ma bouche avant de dormir. Mais cette nouvelle vient de couper vraiment mon appétit. Cette nouvelle vient de couper mon appétit. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, mais pourquoi l'être humain est si mauvais? Pourquoi l'être humain est si mauvais? Même ce que les animaux font pas, c'est ce que l'être humain fait aujourd'hui. Pourquoi l'être humain est aussi mauvais? Pourquoi l'être humain est si mauvais? Le mot orphelin, orphelin, veuve, c'est des mots sacrés. Orphelin, veuve, c'est des mots sacrés. Vous savez ce que c'est qu'un orphelin? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un orphelin? C'est quelqu'un qui a perdu un être cher, hein, qui ne pourra plus revoir, pour lui dire ses sentiments, pour lui déclarer son amour, pour ses chagrins et tout ça. Quand vous faites la fête des mères, est-ce que vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'ont plus leur maman, qui sont orphelins de mère, et pendant que vous faites la fête des mères, pendant que vous faites des cadeaux à vos mamans, tout ça, eux, ils sont là, en train, juste assis, en train de penser à leur maman qui n'existe plus, qui ne vit plus. Quand vous faites la fête des pères, il y a des gens qui sont là, qui ont envie de voir leur papa, mais ils ne peuvent plus le revoir. Il faut être orphelin pour savoir ce que c'est qu'être orphelin. À mon âge, à mes 50 ans, où je suis assis, j'ai souvent envie de voir ma mère. J'ai souvent envie de la prendre dans mes bras, de pleurer sur ses genoux quand ça ne va pas, à mon âge. Je suis orphelin de père. Je suis orphelin de mère. Ceux qui m'ont permis d'être dans ce monde n'y sont plus. Je respecte l'orphelin. Je respecte l'aveu. Il ne faut jamais se réjouir du malheur de quelqu'un. Et il ne faut pas profiter de ceux qui souffrent. Il y a des justices que Dieu fait immédiatement et rapidement. Ceux qui sont allés braquer. Ceux qui sont allés braquer. Cet orphelinat. Vous venez de mettre un gros feu sur votre vie, sur la vie de vos descendants, de vos enfants. J'ai dit, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous dépêcher pour réparer cela. Même s'il faut aller vous repentir, allez-y vous repentir. Hey, j'ai déclaré, j'ai mis ma bouche dedans, non? J'ai mis ma bouche dedans. Des enfants qui souffrent déjà. Des enfants qui sont orphelins. Des enfants qui n'ont pas le bonheur que d'autres enfants peuvent avoir. Leur nourriture. Leur jouet. La télé qui les distrait. Vous partez cambrioler ça, braquer ça. Vous allez faire quoi avec? Ça va vous durer combien de temps? Vous allez vendre cette télé-là. Cet argent va vous servir à quoi? Juste pour vous asseoir quelque part, pour boire de la bière, pour manger, et pour vous promener, pour faire le fanfaro. Ne soyez pas étonné que vous mourrez dans un accident de voiture. Ne soyez pas étonné que le malheur frappe votre famille. Ne soyez pas étonné que des choses vous arrivent dont vous n'avez pas la solution. Vous venez de mettre du feu sur votre tête. La femme dans la vidéo l'a dit, les enfants là vous ont maudit. La femme l'a dit que les enfants là, que vous avez volé leur nourriture, vous avez volé leur télé, vous avez volé leur jouet. Les enfants dans leur bouche vous ont maudit. La Bible déclare que l'ange qui veille sur les enfants voit continuellement
la face de Dieu, le seul ange qui peut tout le temps voir le visage de Dieu, la face de Dieu, c'est l'ange qui veille sur les enfants. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez comme les petits enfants. Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Vous croyez que vous avez eu une victoire? Et ça là, tu vas le fouiller. C'est quelqu'un qui est dans l'habitude d'aller dans ce centre. Tu vas le fouiller. C'est quelqu'un qui connaît tous les recoins du centre. Tu vas le fouiller. Le vrai complice, la vraie personne qui a fait qu'ils ont volé ça là, est dans ce centre. Ou est ami ou frère de quelqu'un dans ce centre. Mettez le cœur sur ce direct et partagez-le. Parce que s'il vous plaît, là, je ne suis pas bien. Mettez le cœur, partagez ce direct, s'il vous plaît. Il s'agit d'une œuvre sociale. S'il vous plaît, partagez ce direct. J'aimerais que Dieu fasse que ceux qui ont volé tombent sur ce direct. S'il n'y avait pas de personnes sur cette terre pour s'occuper des veuves, pour s'occuper des orphelins, des SDF, des fous, de ceux qui dorment dans la rue, mais que serait le monde? Et il y a des gens qui ont sacrifié leur temps, leur énergie, le reste de leur vie. Ils ont consacré ça à des enfants orphelins, à des veuves. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu des veuves musulmanes. Je connais une servante de Dieu qui a une ONG à Abidjan qui s'occupe des veuves chrétiennes, musulmanes, tout ça. C'est-à-dire qu'en matière de veuves, en matière d'orphelins, ce n'est pas histoire de musulmans, ce n'est pas histoire de chrétiens, ce n'est pas histoire de nord, sud, est, ouest, ce n'est pas histoire de goula, baoulé, tout ça. En matière d'orphelins, de veuves, là, ça concerne tout le monde. Vous-même qui devrez chercher de l'argent pour aller faire plaisir à ces orphelins, aller leur donner à manger des vêtements, des jouets, c'est vous qui partez voler leur nourriture. Mais vous allez être traqué, vous allez être attrapé. On va vous attraper. Je dis, ça va chauffer sur vous. Ça là, vous êtes arrivé à un terminus. La drogue que vous avez fumée pour rentrer là-bas. Là. Ce que vous avez pris pour piquer. Vous avez pris pour vous piquer et puis pour ne pas avoir sentiment pour rentrer là-bas. Là. La dose va passer. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas partout qu'on fait du mal. Chaque pleur, chaque cri, chaque lamentation de chaque enfant dans cet orphelinat est du feu pour votre vie. Je vous recommande d'aller vous repentir. Je vous recommande d'aller vous repentir. Même si vous ne pouvez plus redonner ces choses, je vous recommande d'aller vous repentir. Parce que ce que je ressens pour vous-même là, moi-même là, ce que je sens comme douleur ici là, c'est mais pour Dieu est pire que ça. Chers frères et sœurs, voici des personnes qui se lèvent un matin et qui se décident d'aller voler dans un orphelinat, d'aller voler la télé, la télé, les jouets, les affaires des enfants. Des enfants orphelins. Ils n'ont plus de papa, ils n'ont plus de maman. Moi-même que vous voyez là, j'ai adopté un enfant orphelin. J'ai adopté un enfant orphelin.
je lui ai donné la chance de vivre. Sa maman est décédée après l'accouchement. Son papa ne pouvait plus rien faire pour l'enfant. L'enfant a été donné dans un orphelinat. Et moi, j'ai décidé de prendre cet enfant comme mon enfant. J'ai même discuté avec ma femme. J'ai donné même mon nom à cet enfant. Je prie Dieu qu'un jour, comme je suis français, que cet enfant puisse continuer ses études en Europe, que cet enfant puisse venir faire sa vie parce que c'est mon enfant. Tu peux te dépouiller pour des vœux, pour des orphelins, tu n'as rien perdu. C'est de la semence que tu as fait. Et tu as semé sur une terre fertile qui va toujours pousser. J'ai mal. Je ne vais pas m'attarder sur ces voleurs parce que leur sentence est déjà déclarée. Je veux lancer un appel. D'abord, je veux demander à la responsable de cet orphelinat. Dieu merci, on voit son image, elle a dit son nom. Je la demande de prendre contact avec moi. Je ne promets pas des millions, je ne promets pas des milliards. Mais le peu que moi je peux donner et que je peux récolter aussi auprès des personnes qui veulent bien donner un coup de main, je le ferai pour eux. Vous savez, beaucoup de personnes ne me voient pas trop comme ça sur les réseaux sociaux. C'est en 2000, comme on appelle, je ne sais même plus, je crois que c'est 18, où il y avait un jeune homme, un enfant, du moins qui était décédé dans une piscine, à Makori, si je ne me trompe pas, le petit Essel Kona. Cette même compassion que je ressens ici, c'est cette compassion qui a fait que je suis venu m'asseoir sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à exposer ma vie. J'ai défendu la maman de cet enfant. J'ai défendu la vie de cet enfant. Je me suis intégré à 200% dans ce problème comme si c'était ma propre famille. C'est après cela que je continuais dans les débats de mon pays. C'est après cela que je me suis battu pour les veuves, pour les personnes qui ont dormi au cimetière, l'histoire des microbes, et c'est parti dans l'histoire de la politique, que Gbagbo sorte, que Blé Goudé sorte, et on est dedans jusqu'à aujourd'hui. Sinon, avant ça, il n'y a personne qui entendait parler de moi. Moi, je faisais mon ministère, je faisais mes programmes, je bouge, je viens, je m'assois, je fais mes trucs. C'est à cause de la mort d'un enfant, d'une femme qui n'avait pas les moyens que moi et tiens. On a entendu parler de moi comme ça beaucoup sur les... Sinon avant là, si ce n'est pas réunion de prière, direct de prière, on n'entendait pas parler de moi. Je ne mettais pas ma bouche dans politique ou dans quoi que ce soit. C'est la compassion pour les autres qui a fait que je suis assis ici. Vous avez fini de manger, non? Vous avez bu de l'eau, vous êtes bien. Il est quoi? Il est minuit 4. Minuit 4. Hein? C'est comme si j'ai jeûné aujourd'hui. Je me suis levé parce que j'ai pas dormi la nuit. Je suis allé vers 8h, je me suis levé vers 17h, j'ai bu un café et je suis assis là. Je n'ai pas mangé de toute la journée. Je devrais aller manger au lieu de venir m'asseoir pour parler. Je fais un direct. Je suis encore assis en train de faire un autre direct. Il est minuit. Même mon ventre me dit, mais tu n'as rien mis dans ton ventre. Mais je préfère continuer ce que je suis en train de faire. Même si je bois de l'eau avant de dormir, ce n'est pas grave. J'ai une compassion pour les veuves, pour les orphelins et pour les gens qui souffrent. Ceux qui ont fait ça, vous allez payer. Vous allez payer. Et ça va vous faire mal même. C'est Dieu même là qui ne vous aime pas, qui a fait que vous êtes parti voler là-bas.
vous allez payer. Mal même. Et ça, ce n'est pas une affaire de tu vas payer dans un an, dans deux ans. Vous allez payer à partir de maintenant, là. Vous allez commencer à payer. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous voulez voler, allez-y voler les gens qui sont riches. Vous voulez voler, allez-y voler ceux qui ont énormément d'argent, qui ont tout ce qu'il faut. Laissez les veuves et les orphelins tranquilles. Leur Dieu est dangereux. Alors, je demande à la responsable comment elle s'appelle. Elle avait dit son nom. Je vais retenir son nom. Je vous montre toujours encore la vidéo. Voilà l'orphelinat. Madame Ba, elle-même, elle est veuve. Et elle s'occupe des veuves, elle s'occupe des orphelins. Alors, je ne sais pas comment s'est organisé l'orphelinat, si, comment ça se passe, mais j'aimerais bien qu'elle rende contact. Si vous la connaissez, dites-lui. Voilà, c'est pas forcément pour avoir des relations autrement, c'est-à-dire truc. Nous, nous voulons aider. Donc, voilà, qu'elle prenne contact avec moi. Et moi, ce que je peux faire, je fais. Je dis à tous mes enfants spirituels, si tu as un 50 euros, tu as un 100 euros, tu as un 10 euros, tu as un 20 euros, tu as un 5 euros, ou tu as quelque chose que tu peux faire, ou tu as quelqu'un même au pays, ou bien tu es déjà au pays, et que tu peux donner un coup de main, tu peux faire quelque chose, je vous interpelle tous, s'il vous plaît, allez-y vers cet orphelinat-là, Omega, ONG, ONG, Omega. Voici leur numéro de téléphone est affiché ici sur la pancarte. Je vais vous le donner tout à l'heure. Voilà. Donc, là, vous voyez, c'est ça. Qui a vu le jour depuis 2005. Depuis 2005. Nous sommes ici dans ce local. Voilà. On a déjà vu la vidéo, donc je ne veux pas m'attarder. Ça fait mal, nous avons fait mal. Ici. Ils ont pris la télévision. Voilà. Cette organisation s'occupe des veuves, des orphelins, des démunis. Et des enfants vivent vulnérables. Au sein de cette organisation existe un orphelinat qui abrite une soixantaine d'enfants à peu près comme ça. Et voici que ce matin, on découvre ce qui s'est passé. Ils ont cambriolé ici. Ils ont pris la télévision, une grande télévision. Moi, je ne connais pas les bus là, c'est quoi un bus? C'est comme ça. Ils ont pris la télévision. Ils ont pris les appareils, les jouets des enfants. Ils ont tout pris. Le peu de riz qu'on a ici, ils ont pris. Ils ont fouillé tout le peu de jetons, peu d'argent que j'ai ici, en cas de cas. Ok. J'interpelle aussi les autorités ivoiriennes. J'espère qu'en Côte d'Ivoire, il y a un ministre qui s'occupe, un département qui s'occupe du social, ce genre de choses. J'interpelle les autorités ivoiriennes, j'interpelle le gouvernement ivoirien, j'interpelle toutes les bonnes volontés, les hommes d'affaires, les gens qui sont dans le gouvernement, les gens qui sont, comment dirais-je, qui ont des pouvoirs en Côte d'Ivoire, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou en dehors de la Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriens. Voici un sujet qui vous interpelle. Voici un sujet qui vous interpelle. Je demande à nos ministres, à nos autorités, de faire foi de bonne volonté et c'est de vraiment que quelqu'un se lève pour donner un coup de main à cet orphelinat. À cet orphelinat, Dieu vous le rendra. Dieu vous le rendra. Donc j'interpelle qu'on vienne en aide à cette ONG. Et d'ailleurs, il y a d'autres ONG en Côte d'Ivoire. Hein. Il y a des ONG en Côte d'Ivoire qui ont besoin aussi de soutien. Je connais une servante de Dieu, ONG Minoge, à Yopougon, qui s'occupe des veuves, qui s'occupe des orphelins, Minoge. Qui s'occupe des veuves, qui s'occupe des orphelins. Il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'ONG. Alors, aujourd'hui, nous parlons de ONG Centre Omega. Donc, je vous demande, s'il vous plaît,
Et je sais qu'il y a des personnalités comme Hassan Hayek, hein, des personnalités comme Hassan Hayek qui ont déjà une structure pour aider ces genres de personnes. Alors, je les remercie d'avance parce que je sais que ce monsieur ne restera pas sans agir. Alors, j'interpelle tous ceux hein, qui peuvent agir, nos footballeurs, nos artistes, nos hommes politiques, montrer une image de la Côte d'Ivoire, montrer une image de la Côte d'Ivoire, montrer au monde entier que nous sommes solidaires, montrer au monde entier que nous avons un cœur, que nous sommes des gens sensibles, que quand quelque chose, un malheur arrive à un Ivoirien, surtout à des orphelins, à des veuves, et ça interpelle tout le monde. Donc, je salue là d'avance les bonnes volontés parmi les autorités ivoiriennes, parmi les artistes, les footballeurs, tout ce qu'il faut, et où les Ivoiriens dans la diaspora comme en Côte d'Ivoire. Je salue toutes les bonnes volontés qui déjà sont en train de prendre l'initiative d'aider cet orphelinat ou qui sont en train de se décider ou qui l'ont déjà fait. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je lance un message à Madame Ba, la propriétaire de cet orphelinat, la directrice de cet orphelinat. Ma sœur, sois bénie. Yako, comme on le dit chez nous, Yako. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur fortifie les enfants qui sont avec toi et toute ton équipe. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie, mais c'est pour provoquer des bénédictions. Où tu étais là, ONG Omega, moi, je ne te connais pas, j'ai jamais entendu parler. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier, en Côte d'Ivoire même, qui ne vous connaissaient pas. Aujourd'hui, voici que Satan va utiliser des gens pour aller cambrioler ses enfants. Grâce à leur vol, grâce à leur comportement, nous autres aujourd'hui, on vous connaît. On a ouvert notre bouche, on est en train de parler. C'est une télé qui est partie, c'est la nourriture qui est partie, c'est des jouets qui sont partis. Ce n'est pas grave. Le Seigneur va multiplier ça dans la vie de ses enfants et de votre vie. C'est-à-dire que le malheur qu'ils ont voulu mettre sur votre vie là, ça va se transformer en bénédiction. Donc soyez vraiment consolés. Parce que souvent les gens pensent que nous font du mal, mais leur mal se transforme en bien. Ce sont des orphelins, ce sont des veuves, ce sont des gens que Dieu protège d'avance. Des gens viendront vous bénir. C'est une télé qui est partie, non? Vous allez avoir même des télés. C'est des jouets qui sont partis, non? Vous allez avoir des jouets. Quel que soit ce qu'ils ont pris, l'argent, Dieu va redonner. La nourriture, ça va venir à gogo. Et maintenant, votre nom est connu sur les réseaux sociaux. Votre nom est connu. Les gens même qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout dans le monde entier, parce que je ne suis pas le plus grand des cyberactivistes, je ne suis pas le seul qui est sur Facebook, mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent quand même. Et je sais qu'il y a d'autres types, il y a d'autres blogueurs qui ont certainement parlé de vous, je ne sais pas. Moi, je viens juste d'apprendre la nouvelle. Et je sais qu'il y aura une motivation. Et donc, la situation va changer. Ceux-mêmes qui ont volé là, ils vont se rendre compte qu'ils sont venus créer leur propre malheur pour votre propre élévation. Donc, que la grâce de Dieu soit sur votre vie, Madame Ba. Que Dieu bénisse encore ce que vous faites pour les veuves et les orphelins. Et que Dieu bénisse toute votre équipe. Et que la grâce de Dieu soit sur ses enfants. Et que la bénédiction ne cesse de couler sur la vie de ses enfants. Au nom de Jésus. Alors, je lance, ce n'est pas un mot d'ordre, mais c'est une recommandation à tous mes enfants spirituels, à tous ceux qui me suivent, même si c'est 1 euro, participez. Aidez ces veuves et ces orphelins. Voilà. Même si c'est 1 euro, participez. Ça, c'est un appel que je lance à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me connaissent. Même si ta situation est bloquée, tu cherches quoi? Mon frère, il y a des endroits où il faut s'aimer. Il y a des endroits où il faut s'aimer. Donc, participez. Vous ne pouvez pas venir directement vers moi pour me dire, on veut participer, on veut faire ceci. Contactez ma secrétaire. Vous connaissez le numéro de ma secrétaire. Contactez-la.
dites-lui que c'est pour soutenir. Ça, elle le met de côté. On a des correspondances à Abidjan. Et d'ailleurs, Madame Ba, il faut qu'elle me contacte. Et donc, on enverra quelqu'un lui déposer ce qu'il faut. Et puis voilà. Mais moi-même, elle va rester en contact avec moi. C'est pareil pour le petit Kona Essel. Quand j'ai lancé l'appel, tout ce qui est venu, sa maman a pris. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas m'asseoir pour m'appuyer sur le malheur des pauvres pour pouvoir manger ou pour pouvoir boire. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez rentrer directement en contact avec cet orphelinat. Voilà. Vous pouvez rentrer en directement en contact avec eux. Voici, je pense que leur numéro est là. Alors, je vais vous donner les numéros qui sont sur la pancarte. Je ne sais pas si je vois bien. C'est marqué. Bon, il faut toujours mettre 00225. Hein, plus 225. C'est marqué plus 225. 07 58 91 14 26. Voilà. Il y a un autre numéro qui est 05 86 71 71 91. Bon, le dernier numéro, je ne le vois pas bien. Ah, il est là. Alors, le dernier numéro, c'est 00225 plus 225 01 03 68 43 33. Je répète, le premier numéro c'est plus 225 07 58 91 14 26. Deuxième, plus 225 05 86 71 71 91. Le dernier numéro, plus 225 01 03 68 43 33. Voilà. Donc les numéros sont là. Les numéros sont là. Donc si vous voulez rentrer directement en contact avec les responsables de cet orphelinat, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire sans passer forcément par moi ou par quelqu'un d'autre. Vous pouvez les appeler directement et puis faire ce que vous avez à faire. C'est Dieu qui vous bénira. Donc, je vais faire une prière pour cet orphelinat et ces orphelins. Je vais faire une prière pour eux et je vais arrêter le direct. Voilà. Donc, je demande à ce que vraiment vous puissiez participer parce que c'est vraiment, les gens n'ont plus peur de Dieu, les gens n'ont plus peur de la mort, les gens n'ont même plus peur d'aller éprouver le Dieu des veuves et des orphelins. Dieu est devenu comme le camarade de certaines personnes, les gens font ce qu'ils veulent, mais Dieu lui-même là, c'est parce qu'il est aussi beaucoup patient, les gens en profitent, mais il y a un temps pour tout. Donc je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, je me mets devant ton trône de grâce et je voudrais élever ton nom pour cet orphelinat Omega. Pendant mon direct tout à l'heure, Seigneur, j'ai su cette nouvelle du braquage, du cambriolage de cet orphelinat. Seigneur, des personnes possédées, des personnes envoûtées par des démons, sous l'emprise de la drogue, n'ont pas eu de compassion pour ces veuves et ses orphelins. Mais toi, le Dieu des veuves, toi, le Dieu des orphelins, je sais que tu as prévu un plan pour ces enfants et pour cet orphelinat. Je prie qu'il y ait une multitude de bénédictions dans la vie de cet orphelinat. Je prie que, Seigneur, les hommes et les femmes accourent de partout pour les soutenir et que l'on puisse voir que dans cette nation, en Côte d'Ivoire, on ne parle pas seulement de disputes, on ne parle pas seulement d'autres choses, mais on a le cœur pour aider nos prochains. Que Seigneur, l'image de soutien de cet orphelinat puisse marquer tous ceux qui ne te connaissent pas, afin que l'amour demeure dans leur cœur. Je prie pour les personnes qui sont allées cambrioler. Je leur donne une chance, c'est la repentance. D'ici dimanche, jusqu'à ce que dimanche arrive, que ces personnes aillent se repentir
Père, si dimanche est passé et que ces personnes ne se sont pas repenties, si dimanche est passé et que ces personnes sont restées dans l'ombre, j'envoie le châtiment contre eux. J'envoie le feu contre eux. J'envoie la colère contre eux. Je lève mon bâton contre eux. Je lève ma pierre contre eux. J'interpelle tous les anges de combat et de châtiment qui sont autour de ma vie pour me défendre contre eux, afin que ces personnes soient châtiées. Qu'ils soient châtiés. 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 Sauf s'ils se repentent, afin que, Seigneur, cela puisse servir d'exemple à d'autres personnes. Je prie le receleur qui a pris cette télé, à qui on a vendu cette télé, que son commerce ne puisse plus jamais marcher. S'il est au courant que cette télé qu'il a pris vient d'un orphelinat, arrête, arrête, Seigneur, toute évolution dans ses activités aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que la justice soit faite et que ces personnes qui croient qu'elles sont intelligentes, qui sont allées voler, Seigneur, soient dévoilées d'une manière simple et que ces personnes-là, Seigneur, se rendent compte que Dieu est plus malin, Dieu est plus fort et Dieu est plus puissant qu'eux. C'est au nom de Jésus que je prie, à la faveur des veuves et des orphelins. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci de m'avoir exaucé au nom de Jésus. Amen. Excusez-moi, je vais tenter quelque chose, s'il vous plaît. Je vais tenter quelque chose, s'il vous plaît. Bon, là, il est déjà minuit. Hein? Là, il est déjà minuit. Oh, il y a quelqu'un qui a envoyé 150 euros. 155 euros. Il y a quelqu'un qui vient d'envoyer, un de mes fils qui vient d'envoyer un message. Il a envoyé 155 euros. Je ne sais pas par quoi il a fait. C'est marqué transaction. C'est quoi ce numéro-là? Bon, j'enverrai ça à la secrétaire. J'enverrai ça à la secrétaire. Elle va savoir peut-être comment ça fonctionne. D'ailleurs, je lui envoie le message déjà. Hein? Quelqu'un vient de donner 150 euros déjà. 150 euros, ça fait plus de 100 000 francs CFA. Déjà, c'est une très, 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 très bon. Oh, mon fils, que Dieu te bénisse. C'est mon fils qui a appelé tout à l'heure là. Celui par qui j'ai appris qu'il y avait un problème dans cette offre. C'est lui qui vient de faire le geste. Il a donné 155 euros rond. 155 euros. Voilà. 155 euros. Donc ça, c'est pour les orphelins. Ça ne nous appartient pas. Donc la secrétaire, je viens de te transférer le message. Voilà. C'est Élisée qui a envoyé ça. Donc tu peux voir avec lui. Et puis, voilà, le plus tôt possible sera le mieux pour aider ces personnes-là. Voilà. Si vous avez aussi des jouets de vos enfants, les jouets de vos enfants, ils n'utilisent plus les habits, les trucs, essayez de voir si on ne peut pas collecter tout ça là et puis faire genre, vous savez, les bagages qu'on livre là, genre dans le conteneur qu'on livre, qu'on essaye de faire un don pour tous ceux qui sont dans la diaspora ici. Ah, Orange Money. D'accord, Orange Money, merci, Orange Money, ok. Donc la secrétaire va s'en occuper. Donc là c'est déjà bon, là. Il y a un Orange Money qui est déjà parti là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Dieu merci. Dieu merci. Donc voilà. Voilà, essayez de vous organiser et puis voir comment on peut aider ces personnes-là. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et j'étais en train de faire quoi avant de voir ce message-là? Bon, je pense qu'il va être temps pour moi. Allez, j'étais en train de voir quelque chose.
Ok. Excusez-moi. Voilà. Vous pouvez participer, hein, contacter la secrétaire. Voilà. 58, 56, 89. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse le frère qui vient de faire déjà cette action-là. C'est déjà une très, 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 très bonne chose. Une très, très, très bonne chose. Voilà. Voilà. Alors, donc, je pense que j'ai déjà prié. Je pense que j'ai déjà fait l'annonce. Je pense que beaucoup de cœurs sont déjà touchés. Même si certaines personnes ne se manifestent pas ici dans ce direct, je sais qu'elles vont se manifester après. Voilà. Elles vont se manifester après. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais, si vous avez aussi des jouets, des jouets, des trucs. Il y a un frère qui pose une question. Si on prépare des jouets et des vêtements, on donne où? Oh, ça dépend, mon frère, de où tu es. Si tu es en France, bon, si tu es en France, tu prends contact avec nous, on va voir. Parce qu'il y a des gens qui envoient des colis à Abidjan. Il y a des gens qui envoient des colis. Ils pèsent pour envoyer les colis. Donc, on va, comme on appelle là, voilà, tu peux voir la secrétaire. On va faire partie ça, même si c'est pas. Il y a des gens en voyageant, ils envoient des colis ou bien on met sur bateau, ça va les arriver. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, si vous avez des jouets, vous avez des choses que vous voulez faire, il faut juste prendre contact avec la secrétaire. On va organiser ça. Tout est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais essayer d'aller me restaurer, me poser un peu. Donc, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Merci d'avoir assister à ce direct. On attend des suites favorables. Voilà. Shalom. Passez une très, très, très bonne nuit. Merci beaucoup. Attendez. Le frère dit là en France. Ok, frère. Est-ce qu'on peut me marquer le numéro de la secrétaire pour ce frère-là, s'il vous plaît? Ou bien, frère, si tu m'entends que tu peux écrire, tu écris, comme tu es en France, tu écris 06 24 06 24 08 56 89 06 24 08 56 89. Voilà. C'est le numéro de la secrétaire. Il faut voir avec elle. Faut voir avec elle. Elle a l'habitude de faire partie des choses, tout ça. Elle va gérer ça avec toi. Que Dieu te bénisse d'avance, mon frère Augustin. Voilà, des denrées alimentaires, tout ça. En tout cas, c'est une bonne chose, mon frère Augustin. Que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu te bénisse pour cette bonne volonté. Voilà. Que Dieu soit avec nous, qu'il augmente nos jours et qu'il prenne soin de nous. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Nous allons nous retrouver le vendredi. Donc, vendredi à 21h de Paris, nous allons passer un moment prophétique, un moment d'action de grâce et de bénédiction. Shalom, passez une bonne nuit.